Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette finale de la Coupe du Monde féminine 2019 en France avec l'Allemagne s'opposant à l'équipe de France pour cette très grande finale très attendue ici au Parc des Princes. Regardez cette magnifique coupe, elle est là. Elle est bien présente. Et les deux équipes sont également bien présentes. On espère que vous êtes très chaud aujourd'hui pour cette finale qui va ramener la coupe. Et bien voilà pour les deux hymnes. On est chaud, on est déterminé. Qui va remporter cette Coupe du Monde après un tournoi vraiment très très exceptionnel. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Tout le tournoi, toute cette Coupe du Monde, on a eu de la tension dans les matchs. On ne pouvait pas vraiment savoir qui allait gagner à l'avance. Regardez, on a eu une surprise, on pensait que les États-Unis iraient quand même jusqu'en finale au moins. Et finalement non. Éliminés les États-Unis par une équipe d'Espagne. Et la France qui fait un parcours quand même assez exceptionnel aussi. Hein. Coupe du Monde chez elle. C'est vraiment exceptionnel de voir l'équipe de France en finale de sa Coupe du Monde qui est organisée chez elle. Alors qu'on voit les formations et les compositions d'équipe. Et la finale est donc lancée ici. Et c'est l'Allemagne qui a fait la mise en jeu. Ah ben on a faute, il y a déjà une faute. Il y a de la tension là, il y a de la tension là, il va y avoir de la tension pendant tout le match. Et déjà un premier coup franc dès la première minute de jeu. Le tir, la tête. Allez, Verdiani pour dégager cette balle. Gaëtan Tiné avec le sommaire. Vercovin, Machery. Le centre. Ouais, la tête allemande, mais ça peut revenir pour les Bleus. Ça peut revenir difficilement hein, tout de même. Et vu que c'est la finale, il est temps de vous remercier, vous qui étiez là et qui ont suivi cette Coupe du Monde. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été fidèle tout le parcours. Et je pense qu'on se donne rendez-vous. Attention, attention, Busaglia qui tire au-dessus. Et je pense qu'on se donne rendez-vous en novembre et décembre pour la diffusion de la Coupe du Monde 2018. Qui va être très très intéressant également. Attention, la tête de Schuller. Avec Machery. Busaglia, Machery. Sommer avec Henri, le tir. Oh, qui passe vraiment tout juste à côté de la cage. La capitaine qui a tenté sa chance. Et c'est ce qu'il fallait faire. Tête.
là là, elle a failli partir en touche cette balle avec Dahlman. Oh, le bon centre là, mais on passe en avant. Et non, plutôt. Ça a été dégagé en touche. Dabritz, Simon avec Dahlman. Oh, cette balle perdue, dommage. Elle fait une très bonne passe en avant là. Si elle regarde les opportunités qu'elle a sur les côtés. Non, elle a perdu. Avec Simon. Vers Dabritz. Et non, ça retombe dans les pieds français qui. Et qui mettent la pression et qui font tout pour garder la balle le plus longtemps hein, dès ce début de match. Je rappelle que les deux équipes ne se sont jamais affrontées encore dans le tournoi. Même si dans le tournoi on a eu deux fois le même match. Certaines équipes se sont retrouvées. Attention! Ceci est un match unique. Donc on ne sait pas ce que ça vaut. Sur le papier, en tout cas sur le papier, l'Allemagne est devant. Sur le papier, niveau statistique. Ah non, cette balle est sortie, dommage pour l'Allemagne. Ah c'est vraiment dommage, il y avait peut-être mieux à faire. Dabritz avec Magoul, Dahlman. Ah non, elle est perdue cette balle. C'est pas assez précis dans les passes. Et non, on a une main. C'est un nouveau coup franc pour l'Allemagne. Elle tire. Oh là là, il était parfaitement bien tiré et cadré. Arrêté sans problème. Mais attention tout de même. Hein. Tiné avec Gauvin. Bussaglia. Non, intercepté. La tête. Torrent. Avec Tiani. Gauvin. Tiné. Avec le sommaire qui est toute seule. Le sommaire qui est toute seule. Et oui, l'ouverture du score de l'équipe de France par Eugénie Le Sommaire dès la 20e minute de jeu. La France qui passe devant. Il passe devant. Magnifique frappe. Elle était toute seule. Elle ne pouvait pas rater ça. Elle pouvait pas louper. Et la gardienne est battue logiquement. Ah, elles se sont fait avoir les Allemandes. Magnifique. La France qui passe devant 1-0. À la 21e minute de jeu. Ah, ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est les supporters. C'est les supporters. Hein. Ça fait toute la différence. Attention, parce qu'elles peuvent enchaîner aussi maintenant que le score est ouvert. Centre, la tête, oh ça passe vraiment au-dessus, oh, ils veulent enchaîner. Hein. Et attention parce que ça va être un corner. La tête était allemande, elle a failli marquer contre ses cages. Scénario qu'on a déjà vu hier. Oh là là là. Ah, elle dégage ce ballon, mais c'est rattrapé par Mbok. Les Bleus qui mettent une pression énorme. Et l'arrêt. Oh
avec Dabrit. C'est bien fait, Peterman, le centre, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, dommage. Attention aux Allemandes, hein, parce qu'elles se font discrètes. Mais lorsqu'elles attaquent, pour l'instant, là, je pense qu'on n'a pas encore vu la grosse attaque de l'Allemagne. Là, je pense que là, pour l'instant, elles sont en mode tranquille. On n'a pas de pression. Elles ont confiance en elles, et ça se voit. J'espère que les Françaises en sont conscientes que là, l'Allemagne, pour l'instant, n'a pas encore attaqué. Alors, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles attendent? C'est peut-être la tactique. Elles attendent peut-être que l'équipe de France joue le plus possible, comme ça, elles se fatiguent bien. Et une fois qu'elles sont toutes fatiguées, l'Allemagne attaque et il n'y aura plus aucune défense, quoi. Et j'espère que les Françaises sont au courant de ça. Et que ça va pas les surprendre. Avec Gauvin. Avec le sommaire. Oh, elle est bel arrêt. But avec Dahlmann. Pop. Eh non. Allez, Tiné. Vers Gauvin sur le côté. C'est grâce à Valérie Gauvin qu'on est en finale. C'est elle qui nous a qualifiés face au Brésil. Notre tout petit but, mais qui a fait toute la différence. C'est très important de le noter. Cinquième minute de jeu, la France qui est devant au score 1-0 pour l'instant. Et on espère que ça va rester comme ça ou s'accentuer pour l'équipe de France. Il arrivera ce qu'il arrivera de toute façon. Si l'Allemagne doit passer devant, elle se rend devant. Oh là 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 là. Et là ça a failli. Et là ça a failli. Très chaud. Avec Schuller. Peterman. Ce qui est pas motivant, c'est de rentrer au vestiaire mener 1-0 au score. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Allez, Gauvin, Busaglia, Henri, ouais. Attention, attention, attention. Avec Tiani, Torrent, qu'on voit très peu, Torrent, pourtant c'est une joueuse exceptionnelle. Le centre, elle s'est dégagée par une Allemande. Ça retombe vers les attaquants. Dabritz avec Peterman. Oh, Dabritz qui court. Allez, elle a réussi à éliminer Torrent. Le centre. C'était passé à rien du tout. Attention aux phases de contre. Parce qu'elles font très mal. Non, balle perdue, dommage. Dans cette première période, on a vu une équipe de France en forme à 100%. Pour la deuxième, ça m'étonnerait que ce soit pareil. Ouais, il va falloir tenir tout un match en forme. Il va falloir faire des changements. Attention, Pop. Elle est bloquée, qu'est-ce qu'il n'y a pas de solution pour elle là.
3 minutes de temps additionnel avant la fin de cette première période. On le rappelle, 1-0 pour l'équipe de France pour l'instant. Allez, une touche. Et c'est la fin de cette première période. La France qui mène au score 1-0 dans cette finale de la Coupe du Monde féminine 2019 face à une Allemagne qui n'a pas montré toutes ses qualités encore. Elle n'a pas montré pour moi son vrai jeu. Attention, très très attention en seconde période parce que les Allemandes vont attaquer et à mon avis ça va faire très très mal. On est de retour avec l'engagement de l'équipe de France qui pour l'instant mène au score. Pendant combien de temps? Eh bien ça je ne le sais pas. Mais on va vite le savoir parce que c'est la finale. On le rappelle que si l'Allemagne égalise et que le score, personne ne prend la marge avant la fin du temps imparti, nous irons vers des prolongations et qui pourront se prolonger vers une séance de tir au but. Ça peut durer très longtemps aussi, hein. Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au tir au but. Quoi. On l'a pas eu cette Coupe du Monde finalement de tir au but. Peut-être pour le dernier match, qui sait. Oh, ça m'étonnerait. Il y a eu une faute là, l'arbitre. Avec Pop, avec Schuller. Schuller, le centre. Oh là 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 là. Wendy Renard un peu en panique. Le centre, là, 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 c'était chaud. Là, c'était chaud là. Dabritz, le centre, la tête et l'égalisation de l'Allemagne sur une tête. Mais c'était logique. Le but de Pop qui permet à l'Allemagne de revenir au score. Un partout. Et oui, mais il faut défendre, mesdames. Ah ouais, bah là, elle était vraiment toute seule. Il manquait plus qu'à mettre la tête. Aïe, 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 aïe. Je l'avais dit. L'Allemagne n'a pas montré toutes ses qualités. N'a pas encore montré son vrai visage. Là, elle le montre. En marquant un but sur un centre parfait. Alexandra Pop, 51e. 1-1. Et oui, et oui, et c'est logique, faut faire plus attention, tout est à refaire. Aïe, 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 Diani, enfin, il n'y avait pas de solution, attention, parce que là on était dans la surface de réparation, et il faut éviter les fautes. Parce que sinon c'est un pénalty, bon la France ne tirait pas non un pénalty. Tiné, le sommaire, la buteuse. Aïe aïe aïe. Dalman. Hut avec Magoul. Dabritz, le dribble, c'est bien fait. Ah, dommage. Mauvaise entente entre les deux. Attention, la tête qui dégage. Dalman, Pop. Ouais, c'est intercepté, Magoul.
Attention, Magoul, Pop. Avec Schuller. C'est bien fait, Peterman. Tabritz. Allemagne. Eh, dommage. Magoul avec Pop. Oh, dommage. Dommage que la frappe n'était pas assez puissante. Allez, Peterman. Schuller, Peterman. Tiné, le sommaire. Allez, il y a encore le temps pour une des deux équipes de marquer un second but si elles y arrivent. Eh, dommage. Ah là, elles vont défendre et attaquer les Allemands. Eh oui, c'est fini la rigolade. Des premiers changements du côté de l'Allemagne. Mélanie Lepols remplace Léa Schuller. Du sang frais. Eh oui, il en faut. C'est exactement ce qu'il faut. La tête allemande qui dégage la balle. Ça peut revenir. Mbok. Non, c'est perdu cette balle. Magoul avec Simon. Magoul. Tourson. Eh, qu'est-ce qu'elles ont fait là? Non, 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 reprends. Oh là là là. En tout cas, les supporters se font entendre ici au Parc des Princes. Magnifique stade. Avec Tiné. Alors que la chaleur est présente ici. Henri avec Mbok. Et avec Bussaglia, le sommaire. L'Allemagne qui a la possession, 51-49. L'Allemagne qui a la possession. Aïe, 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 elle est passée, Peterman. Non, pourquoi elle a fait la passe? Mais quelle erreur, quelle erreur. Elle aurait pu tirer, là. Là, par contre, au lieu de faire la passe, elle aurait dû tirer. Ah, c'est pas des bons choix, ça. Le centre, ah, il n'y a personne. Pas de précipitation, même si le temps se réduit petit à petit. On est à la 74e minute de jeu. Toujours un partout. Avec Hut. Le Pols. Allemagne. Toujours pas de changement pour l'équipe de France. Ce serait peut-être temps. C'est bien fait. Henri. Le sommaire. Ouais, c'est une belle interception. Elles essayent de percer la défense allemande, mais c'est compliqué. Et ça se voit que c'est compliqué parce qu'elles ont du mal à passer maintenant. Il y a aussi quelques erreurs dans les passes qui font que ça avance pas aussi. Et ouais, voilà, encore une interception. Ce sera une touche. Changement pour l'Allemagne, Lena Goebling remplace Lina Magoul. Et changement pour la France, Diani est remplacée par Delphine Cascarino. L'Allemagne avec le Pols. Pop. Cascarino avec Henri. Torrent.
Kovin là sur le côté, sur le teco. Le centre. Oh là là, il a taclé la quartier. Il ne reste que moins de 10 minutes maintenant dans cette finale de la Coupe du Monde pour essayer de se démarquer et prendre l'avantage. Sinon, pour l'instant, si on suit le score, ce que l'on peut prédire, on se dirige vers des prolongations. Une finale avec des prolongations, c'est beau. C'est une belle image. Ça prouve que la combativité entre les deux équipes est présente et qu'aucune n'arrive à se départager. Renard avec Busaglia. Tiné. Henri. Cascarino. Non, ça passe pas. Et Henri à nouveau. Gauvin. Cascarino. Non. Dommage. Bah, je pense que les deux équipes ont besoin de repos là. Voilà. Là on sent la fatigue. Et ça se voit. Hein, parce que. Bah, y a plus rien. Y a plus grand chose. Y a plus d'occases. Elle n'arrive pas à passer la surface à chaque fois. Assez compliqué là. Là c'est très compliqué. Majri. Busaglia à nouveau. Elles font tourner la balle. Elles savent très bien que. Ouais, que à mon avis, ça va aller en prolongation tout ça. Elles se donnent à fond en tout cas. Mais il va falloir se donner encore plus à fond pendant les prolongations. Dabritz. C'est intercepté. 2 minutes de temps additionnel. L'arbitre va pas se tarder à siffler. Pour que les dames rentrent au vestiaire pendant quelques minutes. Et Cascarino. La dernière occasion de ce match et l'arbitre siffle. C'est une prolongation qui nous attend. Aucune des deux équipes n'a réussi à se départager avant la fin du temps imparti. L'Allemagne est quand même revenue en seconde période. J'ai peur, le suspense est toujours à son comble. On est de retour et c'est les prolongations ici au Parc des Princes pour cette finale de Coupe du Monde. Et Hendrich a remplacé Hutt pour l'Allemagne. Le suspense est là. Qui va oser prendre l'avantage? Si quelqu'un prend l'avantage, ça peut aller en séance de tir au but. J'espère pas, hein, parce que c'est cruel. Hein. Ça, c'est vraiment cruel. Ça, c'est un truc que j'aime pas. J'aime bien regarder, mais je trouve que c'est vraiment cruel. Ah, faut bien que quelqu'un gagne. Hein. Attention, Cascarino, c'est bien fait. Vertiné. Et le tir. Ah ben non, il y avait mieux à faire, là. Et la tête. Gauvin avec le sommaire. Gauvin, le tir. Mais le deuxième but. Mais ce tir y passe. Deuxième but pour l'équipe de France. Incroyable, Gauvin. 2-1, mais qu'est-ce que c'est? Il est sorti d'où ce tir? Oh là 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 là, mais ça a réveillé tout un stade là. Mais oui, mais ça passe. Mais je l'ai pas vu passer. On ne le voit même pas passer ce tir. Et l'équipe de France qui passe devant 2-1 grâce à Valérie Gauvin. Yes! Yes! Allez, elles vont la chercher cette victoire. Elles vont la chercher cette première étoile pour l'équipe de France féminine. Elles vont la chercher cette étoile alors qu'elles sont à domicile ici en France.
Oh my God, la France qui passe devant 2-1. Quel but, mais quel but. Incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont continuer ou elles vont défendre? Parce que là, l'Allemagne est toujours là, hein. La tête. Henri avec Cascarino. Avec Tiné. Ah, la balle est perdue. Je pense que maintenant il va falloir tenir. Les prolongations, c'est pas très très long. Je pense qu'il va falloir tout faire pour tenir. Il faut défendre. Je pense qu'elles vont défendre. Ça va être pas très facile hein, quand même. Les touches. Allez, Torrent avec Henri. Et non, Gauvin qui a perdu la balle. Hendrich. De Bling avec Davids. Gauvin, le sommaire. Avec Cascarino. Allez, peut-être un petit centre. Ah non, c'est intercepté. Allez, on attend tous là. Si l'arbitre pouvait siffler la fin du match maintenant, ce serait parfait, mais on sait qu'il peut pas. Attention, Gauvin! Ah, la parade de la gardienne. Ah, c'était bien fait. Ah, c'était bien fait. Allez, 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 on y va, on y va. Oh là là, là 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 là. C'est trop loin ça, la tête! Ah ben non, c'était pas trop loin, mais c'est pas cadré. Eh, Gauvin, elle a tenté. C'est elle qui nous a qualifiés en finale, mais est-ce que c'est grâce à elle qu'on va remporter cette Coupe du Monde aussi? Pour l'instant, c'est le cas. 5 tiers pour la France, 3 pour l'Allemagne. C'est une Allemagne différente que ce qu'on a vu face à une autre équipe quand même. C'est pas pareil. Le centre, la tête et non. La tête. Et non, ça passe pas. Et c'est la fin de cette première période. C'est la fin de cette première période et la France qui mène au score 2-1. Mais il reste encore une petite période. Une petite période à tenir. Et ensuite, la France pourra soulever cette Coupe du Monde dont elle se bat énormément. La seconde période des prolongations est lancée. On est là. On est là, mesdames et messieurs, on est là. Et Bilbao a remplacé Amandine Henry. Du côté de l'équipe de France. Encore quelques minutes à tenir pour les Bleus. À tenir ce score très très petit. Demain, c'est rien. L'Allemagne a encore un. Il suffit de marquer, ça y est, égalisation. Il n'y a pas une large victoire. C'est un match très très disputé. Pour ça qu'on est en prolongation aussi. C'est serré. Mais il faut tenir, il faut tenir. Allez, on y va. Il faut la soulever cette coupe. La France est chez elle. Et ce serait beau de gagner chez elle comme en 98 avec les hommes. La remporter à la domicile. Et bien les femmes vont faire pareil. 11 ans plus tard en 2019. Alors là, c'est une très belle image quand même. Si ça se fait, parce que ça. Attention, hein, ça ne veut pas dire.
avec Simon. Anne Le Pols, est-ce qu'elle va l'avoir? Oui. Oh la tête. Attention, ça joue beaucoup avec les têtes là. Et c'est imprécis. Bilbo. Busaglia. Gauvin. Tourson. Deman. Pop avec Hendrich. Eh, c'est une balle perdue, mais ce sera une touche pour l'Allemagne. Goebbeling avec Davids. Hendrich avec Pop, le centre et le tir. Ah non, c'est pas cadré. Quel dommage. Oh non, mais c'est vraiment dommage là par contre. C'est une occasion, elle était magnifique. Ah malheureusement c'est pas du tout cadré, c'est pas appliqué. Et là toute l'équipe, c'est tendu. Ah, louper une occasion comme ça, alors qu'il reste à peine que quelques minutes pour égaliser en finale. Ce sera pas très bien vu quoi. Hein. La tête. Oh là là, elle est tombée. Elle a chuté la joueuse. Avec Busaglia. Allez, faut faire tourner maintenant hein, parce que là on est à la fin de la seconde période. Je pense qu'il faut faire tourner la balle. Fatiguer les Allemandes. Cascarino. Ouais. Il faut surtout pas perdre le ballon. Il y a tout le stade qui siffle dès que l'Allemagne a le ballon. Parce que c'est tout un stade là qui attend juste que l'arbitre siffle. Tout un pays, dirais-je. L'Allemagne qui est en panique un peu. Et en tout cas, elle se sent défendue. Il n'y a rien à dire. L'Allemagne se défend là. La preuve, le score n'est pas si énorme que ça. Hein. Il y a juste 2-1 quoi. Ça prouve que les Allemandes sont bien là et qu'elles défendent tant bien que mal. Allez, le sommaire, on y va. 2 minutes de temps additionnel. Et c'est terminé. La France est championne du monde. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Et c'est à l'heure de la célébration maintenant. C'est l'heure de la célébration et le lever de coupe pour toutes ces joueuses. Une compétition exceptionnelle. L'équipe de France championne chez elle. Et la première étoile. Eh oui! Ah, la célébration! Et c'est une très très belle image qu'on n'aurait pas cru possible à l'issue de cette Coupe du Monde. On n'aurait pas cru. Mais c'est bel et bien toutes ces joueuses de l'équipe de France qui ont fait un tournoi vraiment exceptionnel. Et qui soulève pour la première fois cette Coupe du Monde ici au Parc des Princes devant leurs supporters. La première étoile est là. Championne du monde 2019 pour cette équipe de France. Les feux d'artifice bleu, blanc, rouge. Et l'image, la photo qu'il faudra retenir. Championne du monde, l'équipe de France féminine.